Salut, salut, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes abonnés, mes amis. Salut, je pense que vous allez bien. Moi aussi, de même, euh, je suis un peu écripé, mais euh, aujourd'hui, nous allons parler sur, euh, toujours sur, euh, nous allons parler sur la vie. Bon, toujours dans notre grand thème qui est l'être humain, parce que hier, nous avions abordé sur euh, euh, le but de l'être humain sur Terre. Aujourd'hui, nous allons continuer euh, dans le même sens. Quand vous avez vu les titres, euh, on se pose en fait la question. Posons-nous la question pourquoi ta vie, pourquoi notre vie est, 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 comme, est comme elle est Peut-être que euh, tu ne t'es pas encore posé cette question-là pourquoi ma vie est comme elle est, comme, comme elle est en fait présentement Est-ce que euh, tu t'es déjà posé cette question Est-ce que vous aviez déjà posé cette question en vous-même Pourquoi Ma vie est ainsi. Pourquoi pas autrement comme euh, une autre personne, par exemple Voyez ouais. Donc ce sont des gens, de choses qui nous amènent en fait à, à nous connaître nous-mêmes, à savoir chercher quel est le sens de notre existence ici sur Terre. En se posant des questions nous-mêmes, c'est par là que nous allons trouver des réponses, euh, des, des réponses conséquences en nous-mêmes. Donc le sujet d'aujourd'hui est pourquoi ma vie, pourquoi notre vie est comme elle est, mais pas comme elle devait être, comme on pouvait le souhaiter. Ce qu'il faut savoir est que l'être humain, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits incarnés dans la matière. Donc nous sommes esprits, quand nous nous incarnons, nous prenons chair en fait. Nous sommes des âmes ici sur terre. En s'habillant avec, avec un corps physique. Notre vie est comme elle est. La réponse est simple. Parce qu'il faut savoir que euh, la, la manière dont nous, euh, nous pensons, la manière dont nous parlons, la manière dont nous nous actons dans toutes les circonstances de la vie, dans tous les péripéties de la vie, c'est par ces moyens-là, c'est par ces, can euh, euh, ces canaux-là que. L'essence de notre vie prennent en fait, euh, je dirais, sa signification. Parce que rien n'est au hasard. Les hasards n'existaient pas. Même, euh, euh, même une chose, même une parole, même euh, une pensée, même euh, euh, une action qu'on qu pouvait considérer comme insignifiante, ça, 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 euh, ça a du sens en fait dans l'univers. Parce que l'univers n'est qu'une euh, euh, simple photocopieuse. Donc, il te renvoie ce que tu lui donnes en pensant, en, en parlant et en, en, en actant. Exactement, c'est ça. Donc, notre vie est comme elle est parce que c'est nous-mêmes qu'on euh, euh, qu a voulu que ça que soit ainsi. Même inconsciemment, même consciemment. Parce que nous sommes dans une matrice, nous sommes dans l'univers, nous sommes dans. Euh, comment je peux le dire Nous sommes dans, euh, dans un lieu, dans, dans, dans un cadre interrelier entre les, entre les personnes, entre toutes les créatures en fait, parce que tout est un. Donc la manière dont nous actons, la manière dont nous, nous pensons, la manière dont nous parlons, la manière dont nous agissons, inconsciemment ou inconsciemment, notre vie prend tout son sens. Comme je, je vous ai dit, nous sommes dans, dans une matrice. Les gens qui ont regardé déjà euh, le film euh, Matrix savent au moins quelque chose. Par rapport à ce que je suis en train de dire. Donc, la, notre vie elle est le reflet en fait, de ce que nous avons donné à l'univers en pensant, en parlant et en actant. Quelles que soient les actions que nous ayons faites, que nous allons aussi faire, que ce soit insignifiant. Parce que l'univers ne connaît pas l'insignifiance, ne connaît pas les hasards. Non, tout est, et en fait, je dirais, comme on dit, tout est karma, cause à effet. Vous donnez et puis l'univers vous redonne. Parce que nous sommes dans un cadre, nous sommes dans une matrice, nous sommes, je dirais, entre guillemets, dans une prison quelconque, en fait. Donc, comment dire, là, le déroulement est constitué par les lois et les principes de la création. Voyez, c'est pour cela qu'on dit que ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Si tu moissonnes en bien, tu, 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 tu ne récolteras que le bien. Et si tu moissonnes en mal, tu ne récolteras, récolteras qu'en mal. Vous voyez. Donc, ta vie, notre vie elle, est ce qu'elle est, c'est à cause de nous-mêmes. Pas à cause d'une autre personne, de notre, de notre personne, ou par exemple, je dirais, comme les chrétiens le disent, <laughs> c'est Satan, c'est le diable. Non! Même le Satan, même le diable, c'est, je dirais, c'est, c'est une entité qui, qui, réside en nous. Comme je vous ai dit hier, euh, 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 l'être humain euh, euh, englobe tout, tout ce qui est dans l'univers, même ce que nous appelons Dieu, ceux, même ce que nous appelons Satan. Parce qu'il ne faut pas oublier que Satan n'est qu'une entité en, en, en nous qui nous empêche, en fait, à se réaliser, à atteindre en fait ce qu'on peut appeler les divins, la réalisation de soi. Satan c'est tout, euh, tout, euh, 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 toutes les forces en fait, contraires qui t'empêchent à évoluer, à progresser, qui est en fait sont buts. Donc Satan est là pour euh, euh, on dit, pour mettre les barrières. D'ailleurs même euh, par son étymo étymologie, le mot Satan veut dire euh, euh, l'adversaire, c'est lui qui te barre la route, qui t'empêche d'évoluer. Vous voyez. Donc si nous acquisons les satan, si nous acquisons en fait les satan euh, c'est à cause de lui que notre vie est comme ça, comme ça, on, on est dans l'ignorance. Parce que même Satan est, 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 est une entité au-dedans en, 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 en de nous. C'est maintenant à nous de devenir conscients, à, à reconnaître en fait, à, 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 comment dit, à plonger, à chercher, à découvrir le divin, l'intensité là, euh, là qui nous permet de progresser, de voler, car c'est notre but. Notre but. En s'incarnant, si c'était état, esprit, âme, c'est d'évoluer. Quand nous sommes ici pour une expérience, pour évoluer vers la connaissance de nous-mêmes, vers euh, la découverte de, de qui nous sommes et puis faire l'expérience de, euh, de cela. Vous voyez Donc, c'est ça. Donc, arrêtons d'accuser les uns les autres. La, notre vie est comme elle est, c'est à cause de nous-mêmes d'abord. C'est à cause de nous-mêmes. Donc, le jour où nous allons nous rendre conscients que tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous, notre vie euh, a comme résultante, c'est nous-mêmes, c'est par là que nous allons maintenant faire un travail de conscience pour maintenir cette, de, de maintenir en fait cet équilibre et puis euh, évoluer, un peu continuer à évoluer, évoluer. Parce que l'évolution n'a pas de fin. voyez Donc, arrêtons d'accuser les autres que c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de certains, Non. C'est à cause de nous-mêmes par notre ignorance. Parce que le temps où nous sommes, en fait, c'est. Euh, nous ne devons plus être euh, euh, ignorants. Donc, c'est pour cela que j'ai euh, euh, dit toujours, moi aussi inclus, de nous connaître nous-mêmes. De faire un travail conséquent à nous, à, de nous-mêmes. De connaître qui nous sommes. Qui nous sommes, en fait. Parce que tout ce que nous vivons, tout ce que nous rencontrons dans notre vie, c'est nous-mêmes qui, euh, euh, qui l'attirons, en fait. En connaissance ou en ignorance, consciemment ou inconsciemment, nous l'attirons d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir aussi que la vie est sacrée. Chaque événement, chaque personne, chaque instant que nous, nous rencontrons en fait dans notre vie, tout est sacré. C'est maintenant par rapport à notre perception, à notre point de vue, à notre façon de voir les choses que nous donnons en fait le sens à tous ces à tous ces événements qui nous rencontrent dans notre vie, à, à, à impacter en fait notre vie. Si nous 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 considérons comme une victime en fait dans la vie, on se verra aussi comme victime, comme un bourreau, on se verra aussi comme un bourreau, ainsi de suite. C'est la manière dont nous nous, nous nous focalisons en fait notre perception, notre manière de voir les choses dans la vie. Et la vie, comme je l'ai dit, c'est que nous les Tout ce que nous donnons en fait à la vie, c'est ce que nous allons recevoir de la vie. Voyez, donc la vie est comme elle est par rapport à nous, c'est à cause de nous-mêmes. Donc tout est sacré dans l'univers. Comme je l'ai dit, chaque événement, chaque personne, chaque instant, tout est sacré. C'est pour ça que vous verrez même dans la Bible, elle dit, euh, Dieu dit en toutes circonstances, rendrez-moi grâce, rendrez-moi grâce, en fait, parce que tout est sacré, toute la vie est sacrée. Donc il n'y a ni victime ni bourreau. Donc il faut, il faut que nous nous souvenions de ça, parce que dans la vie il n'y a ni victime ni bourreau. Donc, en se rendant compte de cela, nous n'allons plus accuser euh, qui, qui, qui que ce soit. Tout le monde va maintenant se rendre compte de faire un travail de soi, de, de, de se découvrir lui-même, qui il est. Donc, vous voyez. Donc, notre vie comme elle est, c'est par rapport euh, au point de vue qui crée en fait la perception dont nous avons de, de la vie, en fait, de l'univers. Comme je l'ai dit, si nous nous considérons comme des victimes. Le monde aussi, nous, euh, la vie, en fait, l'univers nous, euh, nous montre. Avec, euh, avec l'univers est comme un miroir. De la même façon de nous regardons mi euh, le miroir, c'est de la même façon aussi le miroir va, va refléter en fait, notre image. C'est exactement cela. Quand vous vous mirez, vous êtes sale, vous, a, vous allez apparaître aussi sale, ainsi de suite. Vous voyez. Donc si nous considérons comme un cadeau, chaque événement de notre vie, y compris même la mort, je vais même loin. Euh, euh, nous le verrons en fait comme un trésor qui nous servira toujours à, 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 à nous amener dans la joie. Si nous voyons la vie comme une tragédie, et puis nous allons euh, euh, en tirer en fait les, cons les conséquences d'un chagrin éternel. voyez, donc en fait, voilà ce que je pouvais nous, nous partager par rapport à la vie. Donc euh, en gros, ce que nous devons retenir est que euh, 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 pourquoi notre vie est comme elle est, c'est parce que. C'est nous-mêmes qui les créons par notre point de vue qui créent en fait leur perception. Comme je l'ai dit, la vie est comme une, euh, un miroir. De la même façon dont nous nous, nous présentons devant le miroir, c'est la même façon aussi que le miroir va, va refléter notre image par rapport à ce que nous, 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 nous l'avons en fait donné. C'est exactement avec euh, la, la photocopie qui est l'univers. L'univers est une grande photocopieuse. De la même façon dont nous pensons, dont nous parlons, dont nous actons, c'est la même chose aussi, l'univers va, va nous donner, va nous refléter ce que nous, nous l'avions donné. Comme, comme il est dit, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. C'est par rapport à ce que nous, euh, 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 nous moissonnons en fait dans l'univers, à travers tout ce que nous sommes en train de vivre, dans toutes les péripéties de notre vie, que nous allons récolter par rapport à, à, à cela. Donc retenez aussi que... Chaque événement, chaque personne, chaque instant que nous rencontrons dans notre vie, tout est sacré. Il n'y a pas de bien ni de mal. C'est par rapport à notre point de vue de perception que nous donnons en fait la, les définitions de tout ce que nous rencontrons dans notre vie. Et puis, il n'y a ni victime ni bourreau dans la vie. C'est par rapport toujours à la perception de ce que nous nous sommes en train de refléter devant le miroir qui est la vie et puis qui est l'univers. Merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kaling Adiler. À nous revoir la prochaine fois. Pour d'autres sujets, toujours euh, de la vie existentielle. Merci, peace and love. À nous revoir la prochaine fois. Bonne journée et bonne soirée par rapport à l'heure euh, à laquelle vous allez m'écouter. Écoutez, merci, bye bye.